Les journalistes ont fait massivement le déplacement à l'école primaire publique de Kadiaou, où le président Boni Yayi est arrivé avec son épouse. Le chef de l'État a voté au bureau numéro 6. Le président de la République, candidat à sa propre succession, s'est adressé aux Béninois à l'occasion de son vote. Au nom de la République, le chef de l'État a demandé pardon à tous ceux qui ont été vraiment omis par rapport à la LEPI. Il a remercié aussi le peuple béninois qui lui a accordé sa confiance ces 5 dernières années. Le Bénin est à la croisée des chemins. Comme vous l'avez si bien compris, je voudrais vraiment, par cette voie, rendre grâce à Dieu et remercier tout le peuple béninois. Remercier toutes les couches vives de notre chère nation, nos chers aînés qui m'ont précédé dans la fonction. Remercier toute la classe politique, la jeunesse, nos chères mamans, et leur demander ou leur présenter toutes les excuses, le grand pardon, pour certainement les insuffisances constatées. Mes chers amis, je continue de rêver d'un Bénin grand, un Bénin moderne. C'est pourquoi j'avais souhaité que Dieu nous aide pour que nous puissions mettre en œuvre cette nouvelle technique appelée la liste électorale permanente informatisée, décidée par notre institution parlementaire, décidée par le gouvernement, décidée et appuyée par la communauté internationale. Certainement, nous sommes à nos débuts, mes chers compatriotes. Il y a certainement des erreurs. C'est pourquoi, au nom de la nation, je demande pardon à ceux qui ont été omis, s'ils existent. Pardon, qu'ils acceptent ce pardon. Je voudrais en même temps dire merci à la nation, à la République et à la patrie que j'adore, à laquelle je suis rattaché. Merci de m'avoir accordé cette expérience au cours des 5 dernières années. Notre Dieu, grand roi, sera toujours avec le peuple béninois. Où que je sois, je serai toujours rattaché à tout le monde. Je voudrais enfin dire, Dieu, il est grand. Il nous demande de regarder sa face, d'avoir foi en lui. Ce faisant, si nous nous détournons de nos mauvaises pratiques, il est prêt à nous bénir, à nous pardonner. Il est prêt à protéger notre patrie et à nous conduire vers la prospérité que nous appelons de tous nos voeux. Encore une fois, merci à toute la nation qui a accepté ce vote aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu bénisse notre cher Bénin. Amen. Et merci à toute la communauté qui est venue. Nous rêvons d'un monde de paix, d'un monde mieux géré, d'un monde égalitaire, d'un monde prospère. Merci à vous qui êtes venus de loin pour nous appuyer. Que Dieu vous bénisse.